Et quand Eric est venu, alors là il s'est remis en route, il est en train de droite. Le jour déjà ce qu'il a fait, j'en ai fait. L'autre était sorti de son dos. Mais pour de finir, il était suivi 4 pistes. La réponse. Hubert, c'est beau. Le cheval, j'ai l'impression qu'il retrouve un second souffle à Athlée. Il a toujours été bon. Je l'avais dirigé au trot monté parce qu'il n'était pas trop pratique. Après les courses montées, fallait arrêter. Je l'ai remis à l'attelage. Et il n'est pas trop pratique attelé, mais il a un moteur hors norme. Mais monté, il faisait même preuve de caractère pour aller au départ. Qu'est-ce qui a changé depuis là? On a l'impression qu'il est devenu plus maniable. J'ai enlevé le bonnet fermé. Et puis, je pense qu'on a arrêté de monter dessus. Et il a un petit peu mal au dos. Et peut-être que ça le rend fou aussi. Il s'impose en vrai dur, c'est vraiment sa principale qualité. Oh, mais il est incroyable. Il va pas plus vite qu'un autre, mais il va surtout plus longtemps. Il n'a pas le bon parcours en plus aujourd'hui là. Non, mais ça fait deux fois qu'il gagne en étant à deux nez au vent. C'est quand même preuve qu'il a un moteur. Mais faut le mener comme ça. J'avais peur aujourd'hui qu'on manque de maniabilité. Mais quand on sera maniable, on aura encore de la marge. On rêve de quoi avec lui? Vous savez, on prend les courses comme elles viennent. Parce que c'est pas facile tous les jours. Je crois qu'on a encore les courses fermées avant la fin de l'hiver et on a le temps d'aller avec les bons. Mathieu Buffalo de Belève, il s'impose vraiment en cheval très très dur. Ouais, c'est un drôle de cheval parce qu'en partant, j'ai pas pu monter tout en dehors, donc il a fallu que je prenne un peu mes précautions. Et après, on n'allait pas à un rythme de fou, donc je suis venu en descendant, posté à côté de Bouclier d'Or. Je pensais que j'allais l'avoir un petit peu plus dans la main que ça, et il a toujours été très très light toute la route, il attendait un petit peu. Et puis au moment que Bocage d'Ortiz est sorti de mon dos, là, il s'est vraiment mis en route et pour finir, il fonçait. C'est beau ce qu'il fait parce que pour finir d'entrer une droite, aller au poteau, il allait vraiment très vite. Ouais, il a justement toutes les qualités, ce cheval-là, on a l'impression, et puis il retrouve un second souffle parce que c'était plutôt un cheval monté par le passé. Mais ouais, monté, bah c'est vrai que vu l'allure qu'il a, Hubert l'a toujours estimé, et puis bah monté, à chaque fois en début de carrière, il faisait grosse impression. Après, il a eu un mauvais passage parce qu'il avait tendance à faire pas mal de bêtises avant le départ. Mais là, il prend ça vraiment du bon côté parce qu'il est bien calme. Et puis, la façon qu'il a eu pour finir de se mettre à plat ventre, il allait quand même très vite. Donc il fait voir qu'il a une certaine vitesse. Est-ce qu'on peut dire que tu l'as bien en main? Après, c'est vrai que c'est un cheval qui reste encore. Il va certainement faire encore quelques bêtises, mais. Bien en main, ouais, j'étais bien assis derrière. Et petit clin d'œil également de ta part, parce qu'aujourd'hui, tu as regagné ta première course montée depuis ton retour à la compétition. Ça peut peut-être être déclencheur également pour la suite du meeting d'hiver pour toi. Oui, c'est sûr que j'ai remonté depuis. J'ai recouru 4-5 coups montés pour peaufiner un peu la condition. Et puis j'avais pas monté des toutes premières chances non plus, donc celle-ci fallait pas la louper. Donc non, tant mieux, ça c'est bien, c'est rassurant, je me sens bien. De conditions, je suis encore un petit peu à court de conditions, je suis pas revenu encore au top, mais par contre, point de vue douleur et sensation, je suis vraiment bien. Donc c'est ça le côté vraiment positif. Il y a Hubert Hardy, il chambrait tout à l'heure en bordure de piste, il disait mais ils lui ont pas greffé, ils lui ont pas changé les mains, ça va. Non, ça, ils n'ont pas touché, c'est le principal. Seb, battu, mais battu par un bon cheval. Ouais, battu par un super cheval dur qui a été de nouveau vent toute la course. Et puis après, je pense qu'Eric aurait dû attendre un peu. S'il ne sort pas dans le virage, qu'on attend vraiment la ligne droite, on aurait pu le surprendre. Parce qu'on l'a surpris entre ligne droite, on lui a pris peut-être une longueur. Et après, l'autre, il est revenu nous battre parce que c'est un cheval dur. Et il a poussé à droite pour finir. Ouais, tout le temps un peu. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas attendu un peu plus. Voilà. Joss Bouclier d'Or, il est battu par des chevaux qui étaient plus près que lui. Ben oui, il n'a pas couru depuis un moment. Normalement, c'était pas prévu d'aller devant, mais j'avais pas le choix. C'était trop bien parti. Et après, j'étais à ma main, pas trop vite. Et il manquait un parcours, je crois. Il manquait pas un parcours, le travail, il en a assez, mais il manquait du rythme.
C'est un cheval, on sait, tu l'as toujours tenu en haute estime. La suite de l'hiver s'annonce bien pour lui. Ben, je pense, oui. C'est le cheval que j'estimais le plus dans les baies chez Philippe. Il est un peu autoritaire, mais je pense que pour l'avenir, c'est pas mal.